France, reine des nations. Il est resté au bagage. Et non, voici. Ça. Là. Voilà. Mademoiselle. Ces dames vont partir. Oui, monsieur. Ces dames vont à Marseille, sans doute. Non, monsieur. Oh, elle est si jolie, si douce, si... blonde. Il y a presque plus de blonde. Et des yeux. Ah, c'est un plaisir de vous avoir pour ennemi, mon bon Armand. Vous donnez tout, 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 tout. Qu'y a-t-il? Oh, un événement affreux. Qu'est-il arrivé? Ah, sans le courage de Monsieur Perrichon. Pas vous, ne parlez pas. C'est horrible. On vient de me demander notre fille en mariage. Ah, tiens, à moi aussi. C'est Monsieur Armand. Ah, moi c'est Daniel, mon ami Daniel. Deux prétendants dans la maison, c'est trop. Ah, moi je n'ai pas changé d'avis, j'aime mieux Daniel. Et pourquoi? Je sais pas. Tous deux nous conviennent. Nous avons résolu de te laisser l'entière liberté du choix. Pleine et entière. Comment? L'un de ces jeunes gens est Monsieur Armand Desroches. Ah non. Là, tu influences. L'autre, Monsieur Daniel Savary. Maintenant, te voici éclairé. Choisis. En parler, je vous en supplie. Monsieur, lorsqu'une demoiselle est bien élevée, elle pense toujours comme sa maman. Mais elle-même, elle me l'a dit. Ah, je suis trop plus grand. Bonjour Armand. C'est vous. Pauvre garçon. Voici l'heure de la philosophie. Monsieur Perrichon se recueille et dans 10 minutes, nous allons connaître sa réponse. Mon pauvre ami,